Allez, hello tout le monde, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier live. Donc consacré à CMS 2014, Car Mechanic Simulator 2014. Pour y mettre fin. Ça y est, c'est la dernière ligne droite théoriquement. Donc le live, ma foi, durera le temps qu'il durera. Hein, c'est-à-dire... Si c'est 1h30, c'est 1h30. Si c'est 2h, c'est 2h. Si c'est 3h, c'est 3h. J'espère que ça ira pas au-delà. Théoriquement, non. On sait vaguement ce qu'on a à faire. Ça sera sensiblement, de toute façon, la même chose que ce qu'on avait vu à la fin du live dernier, donc de l'épisode 10, qui est ressorti en vidéo, je crois que c'est hier ou avant-hier, je sais plus. C'est-à-dire, normalement, on va vers une modification totale des véhicules. Donc, au final, on n'a pas trop lieu de se tromper. C'est-à-dire on reçoit le véhicule, on modifie l'intégralité de ce qui est changeable sur le véhicule, on fait un petit coup de soufflerie pour valider en chopant le 20%, un coup de test sur la piste et théoriquement ça nous emmène jusqu'à la fin du jeu comme ça. Alors sous réserve bien sûr qu'il n'y ait pas d'incident et que le jeu n'ait pas de problème particulier, mais normalement voilà. Moi j'ai regardé un petit peu de mon côté avant s'il y avait d'éventuelles choses que j'aurais pas découvertes jusque là. A priori non, le jeu se boucle bien à la dernière mission, donc théoriquement voilà. Ce sera la fin de ce CMS 2014, à la fin de ce live. Allez, bonjour à vous, on est parti parce que je ne vais pas perdre trop de temps non plus. N'hésitez pas à venir discuter si vous en avez envie. Et puis moi je me lance, je me mets au boulot dès à présent. Allez, commençons. On reprend la même partie, donc on en est ici. Voilà, sur le DLC, donc un Car Mile, hein, c'est celui-là qui nous avait posé un petit peu de soucis les derniers temps. On est donc à la commande numéro 10 sur 17, donc vous voyez, normalement ça doit largement passer, vu ce qu'on avait fait à l'épisode dernier. On essaiera d'aller jeter un petit coup d'œil en mode libre. Une fois qu'on aura terminé les commandes, alors ce sera sous réserve du temps qu'on aura. Si je vois que je suis à peu de temps de live, on ira faire un petit tour dessus. Mais vraiment vite fait, hein, le but n'est pas d'aller juste voir un petit peu comment ça se compose, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et si et ça, parce que je n'ai pas de mémoire de comment que c'est foutu, mais théoriquement c'est le même garage et je pense qu'on a tout un peu en mode accessible, hein, tout simplement. Donc on est parti. Voilà, on aura fait le tour du jeu, normalement à la suite de ça. On passera sur le 2015 dans quelques mois. Hein. Je rappelle, ça ne tombera pas tout de suite derrière. Voilà, on y est. Donc on retrouve notre véhicule jaune qui nous avait... qui était arrivé à l'épisode dernier, à la fin. Donc on ne l'a pas touché. On est sur un véhicule classique, non changé. Donc d'ailleurs, je pense qu'on va faire un premier test de piste. En fait, on va le faire pour chaque véhicule maintenant, pour aller jusqu'à la fin. Regardez en fait à combien de temps ils arrivent en mode originel, hein, si vous voulez. Et puis voir justement un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse exactement. Normalement au niveau argent on est bon, on a 29 000. Alors il faudra quand même qu'on soit méfiant quand même. On va toujours un petit peu le surveiller, mais théoriquement on a assez, hein, pour faire. C'est toujours ces pneus, hein, qui posent le plus problème, puisqu'il faut 20 000 balles pour changer les 4. Mais voilà, n'oublions pas qu'on vend nos pièces au fur et à mesure, donc bon. Normalement ça va, j'ai aucune pièce à vendre. Et eh bien écoutez, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il demande sur cette facture numéro 10? Donc c'est la Vulcan Family jaune. Et elle doit faire en dessous de 16,50. Ok. Et elle est rémunérée 21 000. Hein, donc on est quand même pas mal rémunéré. Donc c'est pas mal. Alors on va déjà aller faire un petit coup de chrono à la piste. Histoire de voir ce qu'elle est capable de faire. Mais théoriquement, vu que c'est une voiture un peu familiale, elle devrait pas être mise au volant. Donc je pense que là, l'intérêt de changer beaucoup de pièces va être utile. À mon avis. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien le retour des sons du jeu, de ma voix. Très important. Ok, donc là il en manque quand même fortement. Ah oui, 19,50, il manque 3 ou 4 secondes. Hein. Oui. Je crois que c'est 16,50 qu'ils ont demandé. Donc il y a un peu de boulot. Eh ben on va arranger tout ça. Allez, c'est parti. Donc on va se lancer dans du démontage. Donc on lui fait la totale. Hein. Donc, de toute façon, les pièces, je les connais. Donc on n'hésite pas.
Hop. Et puis normalement ça devrait être ça pour chaque véhicule. Donc on devrait les revoir passer tous, enfin tous, ceux qu'on n'a pas vus, jusqu'à la fin, un par un. Enfin moi si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça va faire. Alors un filtre à air déjà ici. On va changer ce bazar là. Bon je vais commencer par là, de toute façon faut qu'on aille jusqu'à l'embrayage. On change le tout. Et puis après bah, une fois que j'aurai accès à ça, on pourra s'occuper du reste. Là il faut que je démonte les pneus. Je vais enlever déjà une bonne multitude de pièces. Là on est sur un véhicule simple, hein. Il n'y a pas de V6, machin V8 ou quoi. Donc ça coûte pas les yeux de la tête en soi. Les pièces sont relativement simples, c'est juste voilà, elles sont tuning quoi, elles sont plus performantes. On devrait passer, je sais pas trop comment on va compter ça, donc ça on va le changer bien évidemment. Le moteur on n'y a pas accès, alors ça c'est pas très très réaliste je trouve. Ça, bah, il faudra que je le débloque par en dessous. Filtre à huile, il n'y a pas de changement prévu. Non, bon, on est bon. On va démonter les roues pour avoir accès à l'ouverture de la boîte de vitesse. Et puis let's go. Le but c'est de le faire le plus rapidement possible entre guillemets et plus efficacement possible. Quoi. Pour qu'on ne passe pas 15 ans dessus. Donc là c'est bon, ça sera suffisant pour ici. On va à l'essentiel. Et puis bah, je vais vendre mes pièces au fur et à mesure que j'achète les nouvelles, comme ça je serai pas perdu. Je saurai ce que j'ai acheté, ce que j'ai changé. Clac, clac, donc là c'est bon, on va démonter ça. Et on devrait avoir accès à notre boîte de vitesse. Voilà, c'est tip top. On repart sur un embrayage. Salut Kevin, bienvenue à toi. Bon, je me doutais un petit peu que t'étais là. En général, t'es là à tous les lives. C'est sympa. Bon, alors on est sur le dernier épisode, hein. Comme tu peux le voir, je pense que tu as suivi ça depuis le début, toi, donc. Théoriquement, tu es au courant. Après, ce sera fini, les lives sur Car Mécanique. Ça reviendra, comme j'ai dit, en vidéo. Donc, il y aura peut-être d'autres lives hein, qui sortiront d'autres vidéos. Alors, on est parti. On va lui acheter, donc, ce qu'il lui faut. Il nous faut un disque d'embrayage. Il nous faut un plateau. Buté, ça sera bon. Boîte de vitesse, ça sera bon. Bon, je vais commencer d'acheter ce que je sais. Filtre, module, 4 bougies, 2, 3 et 4. Il va nous falloir aussi un couvercle de tête de cylindre, mais classique. Donc, ça sera celui-là. Il va nous falloir un obturateur normal. Et il va nous falloir aussi un faisceau d'allumage classique. Voilà, on va déjà remonter tout ça. Je pense que c'est déjà bien. Parce qu'il y a déjà de quoi faire. Alors, on va vendre, au passage, ce qui est acheté. Donc, disque ancien, plateau ancien. Ça, je garde, j'en ai besoin. La boîte, j'en ai besoin. Les joints, j'en ai besoin. Les joints, pardon. Les roues, on va pas aller en vendre tant que je les ai pas achetées. Couvercle de tête de cylindre, je l'ai. Ouais. Donc je peux le vendre. J'ai les 4 bougies. J'ai le module. J'ai le faisceau. Le démarreur, on le garde. Le couvercle, on le garde. L'obturateur, je l'ai. Filtre, j'ai. Et le reste, j'ai besoin. Allez, montage. Ah, je vous ai dit, ça va pas perdre de temps. Hein. Ça va envoyer du lourd, là. Il le faut. Boucle ce jeu. Non, bah là, le jeu n'a plus de secret pour moi, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est pas la peine de s'entêter à rester dessus, là. On le finit et point barre. On a mieux à prendre sur les prochains. On va remonter le démarreur tant qu'on est là. Ça, il se change pas. Hein. On peut pas en mettre un plus performant. Clac, 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 clac. Donc ça, c'est tout bon pour ici. On repart ici. Boum. Ça. On va faire tout ce qui est
Allumage. Ensuite on passera en dessous, on va faire toute la ligne qu'on va démonter pour revenir jusqu'au collecteur d'échappement. Tac tac tac, ici c'est bon, on va mettre cette pièce là, remettre le chapeau. Et on va pouvoir repartir d'ici de notre filtre. Paf, paf. Un petit débitmètre qui est le même. Alors peut-être qu'on pourrait s'amuser à le réparer, j'en sais rien. Peut-être que ça lui donnerait plus de puissance, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Je pense pas que ça joue. Ma foi, c'est très bien. Donc là on est pas mal. On va la lever. Démonter donc la ligne pour pouvoir démonter le collecteur d'échappement. Donc repartons de l'arrière, paf, et on repart ici. Alors pourquoi j'ai pas accès au démontage? Parce que je suis pas sur le bon mode, ok. Donc là c'est sur un pot d'échappement ordinaire. Avec un pot d'échappement arrière. Bon, de toute façon je referai le checkpoint pour ça. On est sur le silencieux central. Alors j'espère qu'en faisant comme ça on aura suffisamment d'argent pour finir le jeu. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais cette voiture là, je pense quand même qu'il faut changer beaucoup de pièces. Parce que bon, c'est quand même pas une voiture performante de base. Donc je pense que ça peut lui faire que du bien. C'est un chrono à 16,50 sur celle là. Je pense que c'est quand même... C'est compliqué, donc ça il faudra qu'on l'ait par là-bas. Je vais aller rechercher, donc je suis levé là, ma pompe. Clac clac, et le filtre, il n'y a pas de changement possible. On va la redescendre. Oui, je mettrai la pompe quand j'aurai débranché, enfin quand j'aurai remis la ligne. On va enlever le collecteur qui est ici. Alors je voulais voir un truc de mon côté. Bougez pas deux secondes. Ok. Non, t'es bon, t'es vu. Pas grave. Alors il va nous falloir donc un collecteur. Un collecteur d'échappement. Qui est au-dessus. C'est celui-là. Avec un catalyseur classique, un pot d'échappement classique, un pot d'échappement arrière, un pot d'échappement avant, ça non, pot d'échappement central, et un silencieux central. Et normalement, j'ai la totalité des choses, alors sauf les pneus. Mais on va voir ça juste après. Donc le pot d'échappement classique peut se vendre. Silencieux central. Échappement central. Catalyseur. Échappement avant. La pompe, je ne l'ai pas acheté. Il faut que j'en achète une. Je vais la vendre, je vais l'acheter tout de suite. Le collecteur, c'est l'ancien. Et ça, c'est toutes les pièces neuves. Ok. Oh, il y en a encore une qui est couleur. Faut que je regarde. Alors une pompe. Tant que j'y pense. Pompe à carburant. Hop. C'est laquelle que j'ai pas vendue. Celle-ci. Ah, l'arrière, ok. Allez, on remonte tout ça. Quick, quick. Voilà, on lui refait une petite santé à cette voiture. Hein, même une grosse santé, là. Très long à visser ce machin là. Quick, on est bon pour ici. Allez, on la lève, on s'occupe de tout ce qui est en dessous. J'aurais même presque pu. On est bon, on va le faire.
Bon, c'est trop tard, tant pis. Je vais presque défaire les deux pneus arrière, mais bon. Oh, c'est pas dramatique, on les fera après. Donc là, c'est bon. Allez, on est reparti avec de la pièce en meilleure condition, là. Cata. Donc soufflerie, j'ai ma méthode maintenant pour aller chercher le 20% qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. Donc. C'est pour ça que je suis moins inquiet sur la durée. Ouais. Eh ben oui, prends là la pièce, mon grand. Hop. Et le pot d'échappement arrière. La pompe, on n'oublie pas. On n'est jamais facile à mettre. Voilà. Donc là, théoriquement, on est bon pour tout ça. Est-ce que j'ai de la pièce encore en stock? Oui, les joints, les pneus, donc c'est bon. Donc il va nous falloir les roues Vulcan Family x4. On va quand même juste jeter un petit coup d'œil à la trésorerie. Il me reste 19,891, sachant que je dois vendre mes pièces, n'oublions pas. Donc de toute façon, je vais déjà lui en acheter deux. Normalement, ça passe. Hein. Vulcan Family, on ne se trompe pas. Une et deux. En revendant ceux-là, ça doit passer. Donc on va monter tout ce qui va devant. Théoriquement, j'ai assez d'argent pour acheter les deux derrière. Montage. Alors, du jaune avec du rouge, je sais pas ce que ça va donner, les roues. Je peux pas changer le coloris, moi. Il aurait fallu un liseré jaune, à la rigueur, ça aurait peut-être été plus sympa sur cette voiture. Là, j'ai peur que ce soit un peu criard. Ouais, c'est particulier. M'en fous. Si on veut. Voilà, donc l'avant, on est opérationnel. On va démonter les deux roupettes arrière, et là, théoriquement, on devrait faire un chrono sensationnel. Faut que j'achète les deux roues, je les ai pas. Alors, t'es pile poil quand même niveau argent, je me rends compte dessus, même en vendant les pièces. Bah, je sais pas si c'est bien ce que je vais avoir fait quand même. J'en sais rien, on va voir. Il me reste 10 000, donc de toute façon, théoriquement, j'ai déjà assez à l'heure actuelle et on a même du rab. Donc c'est bon. Donc il m'en faut que deux. Voilà. Puis j'aurais récupéré encore quelques sous là, 400 et 400. Voilà. Alors en espérant par contre que 21 000 qu'ils nous donnent ici, on est soit plus, soit 21 000. Si on a moins, ça va être la mouise. Ça, c'est un truc qui va peut-être nous poser problème, on va voir. On va voir, on ira à l'essentiel, au pire sur l'autre, c'est pas grave. Là, théoriquement, on est full complet dessus. Il va nous rester donc à aller valider tout ça à la soufflerie. Pour lui faire prendre les chevaux. Alors, tac, on va aller directement programmer prom, hein, on s'embête pas. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le 20%. Hein. Bien évidemment. On essaie. Bon, j'en ai deux. On est toujours deux. Difficile, c'est vraiment de mettre les trois en face.
Voilà, on est bon. Maintenant, bah, il reste juste à... les faire descendre gentiment. Monter. Au taquet du taquet. Dans un dernier coup. On est tout bon, on sauvegarde ça. On fait bien sûr le test. Et il ne reste plus qu'à aller tester cette voiture. 145 de base, et donc elle fait 257 chevaux. On l'a bien boosté quand même. Allez, ça roule. On revient au garage. Donc, de toute façon, théoriquement, le chrono doit automatiquement passer, puisqu'on est, on est au taquet du taquet de partout. Hein, donc, on ne peut pas faire mieux. Ça évitera voilà, de se prendre le chou. Donc là, on va la tester. Et donc 16,50. On devrait avoir de l'accroche au démarrage avec les 4 pneus. Voilà, y a pas de problème. Allez, j'espère que ça passe. Allez, ça roule. 15,77, y a pas tant que ça. Hein. Pour une voiture qui est toute modifiée, c'est bof bof. Hein. Mais bon, ça passe, c'est ce qui compte. Allez, on la valide, on passe à la voiture suivante. Et donc, on va regarder au niveau de l'argent. Je vais regarder avant de la valider combien j'ai. J'ai 1729, ok. On va voir si le jeu nous offre la somme qui est listée ici. 21 000. Théoriquement, on devrait être à 22, 23 000, un truc dans le genre. On va voir. Alors, c'est une voiture orange. Oh, bah, c'est la fameuse chiante, là. 14,60. Donc, on va faire pareil. Elle est payée 28 000. Donc, ça va. Ça paye bien. Combien qu'on a pour faire la voiture? 29 000. Donc, c'est même, on a même plus que ce qui devrait. Ah, ou alors, attendez voir, on débute avec les 28 000 qui sont annoncés, plus les 1729. Là, ça correspondrait. 29,729. Ah ah! Peut-être comme ça que ça fonctionne. De toute façon, j'ai tout l'argent nécessaire pour tester la voiture. J'ai même envie de vous dire, est-ce que je vais la tester sur piste? On sait un petit peu ce qu'elle vaut, cette voiture-là, de toute façon. Elle est très lourde, elle patine au démarrage, on le sait. De toute façon, c'est celle-là hein, qui nous avait posé problème la dernière fois. C'est la noire, là c'est juste qu'elle est orange. Donc je pense qu'à un moment donné, on va pas s'embêter, on va directement la modifier. Et puis, comme ça, let's go. Hein. Donc on est à peu près sur du... que je me fixe un petit peu, parce qu'on est sur un changement de tout, hein, sur les voitures. Donc disons à peu près 20 minutes par véhicule, 20-25 minutes. Je peux pas bien aller plus vite, hein, de toute façon. Donc bon, on va voir. Alors je vais commencer à ce compte-là, par la démonter. Je démonte tout, je remonte tout. Allez. Non, j'estime qu'après, de toute façon, au niveau de la commande en soi du jeu, je la maîtrise de toute façon. Je veux dire, je vois pas comment je peux aller bien plus vite, donc... Et à un moment donné, de toute façon, on fera pas sur un quart d'heure par véhicule, ce sera techniquement impossible. De toute façon, faut que je me base ouais, sur 25 minutes, quoi. En gros, par véhicule. Quoi. Bon, ça marche. Mais ça va le faire. Alors, de ce que j'ai vu, normalement, j'y viens de normalement, hein. De ce que j'ai vu sur internet un petit peu, le dernier véhicule normalement de ce DLC, c'est un 4x4 noir, théoriquement. Donc quand on sera à ce véhicule noir, normalement ça veut dire qu'on est au bout. Donc ça, j'ai démonté les 4. Par contre, j'ai pas dû enlever ouais, le joint de par là. Donc ça se fera par devant. Donc là, on va être sur le V6. Pour qu'on oublie. Quick, tiens. Allez, on est parti. On essaie de faire au plus vite.
Alors c'est pas que je suis pressé, hein, attention, c'est juste que je veux pas que le live dure plus longtemps forcément que les autres. Je peux essayer de le faire durer la même durée, c'est pour ça que je veux quand même me speeder un petit peu dessus. Parce qu'il y a quand même encore un peu de taf, hein, mine de rien. Il faut pas qu'on l'oublie. Alors lui, ça marche comme ça, oui. Donc là, il y aura besoin que de 6 bougies hein, sur ces véhicules-là, pas 8. Clac, clac. Donc c'est nos derniers boulots, hein, clairement, là, de... Dans le jeu, hein, en soi, au niveau de notre personnage, hein, on va dire qu'on estime que voilà, qu'on était mécano chez un... Bah là, peut-être les derniers temps, chez un préparateur, on va dire, un petit peu. Et donc, vous verrez, à partir du 2015, donc... Que j'aurais inventé certains éléments, certains concepts. C'est qu'on retrouvera donc le même personne qui voilà, fera un petit peu son garage à son compte. Un petit peu ça l'idée. Mais ça n'arrivera pas tout de suite, comme j'ai dit. Dans ce jeu-là, on était ouvrier pour un garage, quoi. Parce que les voitures ne nous appartiennent pas à l'arrivée, voilà, ce sont que des voitures clients. C'est pour ça que je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Tac, 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 tac. Donc là, maintenant, il nous reste tout ce qui est ligne d'échappement. Allons-y. Et toute la démontée, comme ça, j'achète tout d'un coup. Je vais aller faire la pompe tant que j'y pense. Et on est parti ici. Non, les pièces tuning, etc., le boost, on va dire, un petit peu plus des véhicules sera beaucoup plus complet, vous verrez. À partir justement du 2015, de ce que j'ai pu voir, moi, un peu. C'est un peu mieux fait, je trouve. Ouais. C'est un peu mieux fait, puis c'est plus complet, surtout. Bon, voilà, n'oublions pas que ce jeu, c'est le premier, et puis voilà, hein, ils ont... Ça a été un petit peu, je pense, des tests et des projets, voilà. C'était quand même déjà... Pas si mal au début. Manque d'aboutissement, quoi, je trouve, pour moi. Mais bon, ça ne nous aura pas empêché de le refaire quand même. Et de criser un petit peu dessus. Mais par contre, sur la modélisation des véhicules en soi, sur les quelques véhicules qu'il y a, bah, ma foi, je peux pas dire qu'ils ont été mauvais, hein, là-dessus. Ils ont quand même fait des beaux véhicules en soi. Dommage après que les motorisations et que la conception du véhicule niveau châssis soient un peu les mêmes, c'est dommage. C'est bien après que ça, ils aient justement changé. Ça a quand même été une bonne chose. Ils avaient quand même fait l'effort, mine de rien, de faire des différences entre certains véhicules, c'est déjà ça. On n'est pas non plus sur toujours les mêmes pièces, même si ça se ressemble. Il y en a quand même des moteurs V6, on en a des classiques. Donc c'est quand même pas mal. Bon bah non, j'ai tout démonté. Ouais, j'ai tout démonté ce qu'il me fallait. Donc allons-y. Je sais de toute façon vaguement de tête ce qu'il lui faut. Alors, on est parti. Donc de la bougie, il va lui en falloir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va nous falloir un catalyseur V6. Ça non. Voilà, je vais faire comme ça en fait. Normalement, c'est celui-là. Je vais essayer de faire sans vérifier, mais normalement, ça doit le faire. Ça, c'est tout du V6. Le disque d'embrayage, il va lui falloir un V6 arrière, un V6 avant. Un filtre à air, bien entendu. Ça, on a. Ça, il va y en falloir 2. L'obturateur, on sera sur le V6. Un plateau de pression, une pompe pour d'échappement A V6.
pot d'échappement BV6. C'est là par contre que je sais plus. Je pense quand même qu'il lui faut un avant et un central. Je vais aller jeter un coup d'œil dans ma liste. Ça serait dommage quand même qu'on achète des pièces pour rien. Donc c'est la SCO LX500. Donc ça j'en veux 4. Ah, on a plus assez d'argent. Bah oui, parce que j'ai plus profond tuer les pièces. Mon dieu. Alors, du coup, va falloir qu'on fasse autrement. Va falloir qu'on fasse autrement. Bah, on va commencer à remonter des éléments moteurs. Donc je peux pas le faire en un bloc en fait. C'est pas possible. Tant pis. On va faire différemment. On va se libérer de la place. On va repartir par là. Tranquillou pilou. Ouais, ça je peux mettre. On va mettre ça. Ça sera bon. On va remettre les têtes de cylindre. Ça marche. Ah, les bougies, elles sont toujours dures à mettre. Ah, mais celle-là, je peux pas la voir. Oui, allez, on met ça. Ça sera fait. Il ne doit pas me manquer beaucoup de pièces à acheter parce que j'étais quasiment au bout. Et voilà. Alors, on va mettre peut-être ça en premier. Tac. Je vais quand même pouvoir commencer de faire du tri comme ça. Et regagner de l'argent surtout. Pour compléter ce qui nous manque. Donc par là, on est tout good. On va remettre ça. Oui, finalement, ça devient à l'arrivée monotone parce que finalement, c'est tout le temps pareil. C'est ça que je lui reproche un petit peu, moi. Quand on est sur un changement total, ça revient du pareil quand même, quoi. Ça, à ne pas oublier. Et voilà. Et puis ça, bah, je peux mettre aussi. Donc niveau motorisation, on est full complet, théoriquement. On va pouvoir lui remettre les roues avant, puisque j'en ai acheté normalement une ou deux. On va voir. J'en ai une, ouais. Ok. Et donc il va falloir vendre maintenant pour pouvoir acquérir des nouvelles pièces. Allez, faisons un peu de tri. Alors, une roue déjà, je peux en vaquer une. L'obturateur est monté. Le filtre est monté. Module, c'est fait. Bougie, c'est fait. Alors, je peux pas faire tout vendre. C'est pour ça que je voulais tout acheter, en fait, pour pouvoir tout vendre d'un coup après. Mais je peux pas le faire, du coup. Et on manque de pognon à l'arrivée. On pourra peut-être le faire après, mais... Pour le moment, on est encore pas assez riche. J'essaie de me concentrer histoire de pas louper de pièces. La pompe est pas montée, mais bon, j'ai l'autre, donc c'est bon. Ça, je vais pas vendre tout de suite. Bah, ça, c'est fait. Tac, 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 tac. Bon, théoriquement, j'ai dû récupérer quand même pas mal de thunas là, déjà. 9000, ouais, donc SCO LX500, oui. Et puis, une deuxième, j'ai pas assez. Ah, bon sang.
Alors, je vais lui mettre cette roue, là. Ça va nous enlever encore des pièces. Voilà. On va commencer à regarder tout ce qui est échappement. Voilà. Donc, du coup, en la levant, on devrait avoir accès à déjà des pièces. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Est-ce que je l'ai ou pas? C'est le B. Donc le B, je peux le mettre, je l'ai. Je suis moins opérationnel sur les... Oui, parce que ça se trouve, j'ai peut-être tout ce qu'il faut à l'arrivée. Sur les lignes d'échappement V6 que sur les autres. Les autres, je les connais presque par cœur, mais la ligne d'échappement V6 est un peu plus complexe. Ouais, bah j'ai tout ce qu'il faut. Finalement. C'est juste A, B en fait. La différence elle est là. Un silencieux central V6, donc lui je l'ai pas par contre. Et bien on va aller l'acheter. Puisque j'ai normalement une roue que je peux vendre. Donc le A V6 est monté. Le B est monté. Le codecteur d'échappement est monté. Et donc ici... Et puis même ça c'est monté. Donc il me faudrait ces trois là, silencieux et les deux arrière, droit et gauche. Okay. Alors on va faire ça dans le bon ordre. Donc c'est celui-là, c'est ça et c'est ça. Et il me faudra donc deux roues arrière que je peux pas acheter tout de suite. Ça sera bon. On va mettre la pompe. Voilà, et donc il nous resterait donc juste les roues. Donc en refaisant un peu de vente, on devrait nous permettre de racheter une roue. Ouais, 5000, donc c'est bien celle-ci. Bon écoutez, je vais même vendre les deux, hein, de toute façon. J'espère qu'on a assez. J'espère. 3002 peut-être, bon, elle va avoir que 3 roues. Ah, j'y crois pas, c'est vraiment une saloperie ce jeu, franchement. Ça veut dire qu'il faut plus de 30 000 euros pour la... Ça va jamais tenir si je lui... Alors, sinon, faut que je lui remette les deux... Ben non. Si, faut que je lui rachète deux roues classiques, sinon. Il me manque 4 fois rien. Et je peux pas vendre d'autres pièces, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on va essayer avec 3 roues, ça va être I2, mais bon. Voici la logique du jeu. Bon, après, je pense que c'est fait parce que là, ils veulent qu'on. Mais c'est que 3 roues, on va voir si ça a un impact. Personnellement, j'en ai rien à faire, c'est pas. Ah, bah oui, mais du coup, j'ai plus de roues, donc il va falloir que j'en rachète une normale. De toute façon, théoriquement, on aura 28 000, je crois, c'est ça qui est payé dessus. Je peux peut-être faire le crédit. Bah non. Non, non, non. Donc il va falloir que j'en achète une classique. Ah, c'est mal fait ça. J'espère par contre qu'une classique coûte pas plus de 3000. Alors, non, ça va. Ah, 2000 quand même. Hein. Bon, bah écoute, t'auras une roue normale et puis c'est tout. Hein. Je te le dise, moi. Très mal fait ça. Franchement. Allez, on va essayer comme ça. Hein. Peut-être que ce sera bon. Personnellement, je m'en fous. C'est pas ma voiture, je m'en balance complètement. Hop, allez, go. Ça me chagrine, mais c'est comme ça. Allez, go, on est parti.
Tiens, c'est approprié, donc du coup, 1 plus, 1 plus, 1 plus... Non, c'était en moins qu'il fallait que je le fasse. Voilà, 20%, on sauvegarde, on passe le câble, hop. Oh, justement, sur la piste, si elle tient la route ou pas, trop en roule. 104%. Ça va faire guise de test. Ah, je voulais bien lui changer la roue, hein. Ne me voulez pas, hein, si elle est trop en roue. C'est pas de ma faute, hein. J'ai pas assez d'argent. À quelque chose près, on aurait eu assez, mais... manque un petit peu. Allez, let's go. Du coup, j'avais pas regardé le temps. Donc, je sais pas du tout. Écoutez, j'ai pas trouvé de différence au niveau de la tenue de route. Pour le moment. Quoi, ça doit être bon. Donc on va pas s'en soucier. Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, 14,60, on est largement en dessous. Allez, paf, mission, donc 11 terminé, on passe à la 12e. Ça sera quel véhicule ce coup-là? C'est la Refton Wind, 13,90. On serait payé 23 000, donc il va quand même falloir qu'on se méfie. Parce que donc, on n'aura peut-être pas forcément assez d'argent pour tout faire. Malgré que cette voiture-là, c'est peut-être une voiture à moteur classique. Oui, donc les pièces vont coûter moins cher. Mais bon, tout de même. Alors, est-ce que sinon, il faudrait pas que je saute un véhicule pour les roues? Mais ouais. Je sais pas comment faire, là. Ah là, la gestion de la trésorerie dans ce jeu est vraiment hideuse. Hein. Enfin, elle est vraiment mal foutue, franchement. Ça, c'est vraiment un des points négatifs. Ça, c'est un de ses plus gros défauts, je trouve. Bon, on va modifier tout le moulin, dans un premier temps. Histoire, de toute façon, de gagner. On va pas s'occuper des roues sur cette voiture, on va essayer de faire un essai sans les changer. Pour l'esthétique quand même, parce que... Il faut qu'on s'amuse à changer deux ou trois roues sur un véhicule, je trouve que c'est complètement ridicule moi. Mais bon. Donc on va déjà s'occuper de la partie motorisation, et puis la ligne. Et puis on va déjà faire un essai comme ça. Ça sera peut-être déjà très bien. Ces jantes sont quand même plutôt jolies, donc bon. Après tout, si on peut leur laisser les jantes classiques d'origine, peut-être ça fonctionnera. Sur les dernières, on arrivera peut-être à faire un full complet cette fois-ci. Voilà. Donc on va s'en arrêter ici. On ira juste chercher pompe à carburant et ligne d'échappement. Et puis ça sera déjà très bien. De toute façon, c'est pas les pneus qui vont lui faire gagner plus de chevaux après au niveau de la soufflerie, hein, clairement. C'est juste une histoire d'adhérence après. Je sais qu'il y a des voitures qui ont pas de soucis donc. Donc autant qu'on en profite. Hein. Celle-là, je pense qu'elle est bonne. Ah,
oui, il manquait un bout, il me semblait. Hop. Donc vous pourrez voir que j'ai dit faut que j'en parle pendant le live de ça. Vous pourrez voir sur la miniature notamment de ce live là, donc l'épisode 11 qu'on est en train de faire actuellement là. J'ai marqué fin. Alors, effectivement, ce sera donc la fin pour le 2014. Il n'y aura pas d'épisode supplémentaire concernant Car Mécanique 2014. Mais par rapport à la playlist l'aventure Car Mécanique Simulator, effectivement, ce n'est pas vraiment une fin, puisque il y aura le 2015 derrière et les autres. Donc pour le moment, à l'heure actuelle sur la chaîne, oui, c'est considéré comme une fin, puisque c'est le dernier épisode que vous aurez de ce jeu. Puisqu'on arrive sur une fin d'opus. Mais quand je remettrai à partir du jour que vous aurez CMS 2015, donc Car Mécanique 2015, la numérotation viendra donc à la suite. Donc on repartira normalement sur un épisode 12 sur Car Mécanique 2015. Je referai la miniature à ce moment-là, moi, du... Bon, je verrai, je la referai ou je la referai pas, j'en sais rien. En tout cas, je changerai au niveau du titre. Puisque je modifierai, je mettrai que c'est la fin d'opus, mais que ce ne sera pas la fin de la série totalement, voilà. Mais je réadapterai ça, moi, dans le temps, quand ce sera le moment. Et la vraie fin de l'aventure Mécanique Simulator, ben, j'ai envie de vous dire, même théoriquement, il n'est pas trop censé en avoir, parce que, à mon avis, Car Mécanique, c'est une série qu'on devrait avoir très très longtemps. Parce que moi, c'est un jeu qui me passionne quand même beaucoup. Donc de toute façon, sur ma chaîne, dites-vous qu'il y aura normalement du Car Mécanique assez longtemps. Sauf si un jour ça me saoule, mais bah, théoriquement, non. Théoriquement, non, non, non. Alors, on est parti. Ne nous trompons pas. Voilà, que vous compreniez bien le système, quoi. On en est où au niveau de l'argent, là? 13 000, ouais. Ouais, celle-là, elle coûte nettement moins cher. Hein. Les véhicules classiques, ça n'a rien à voir. Donc les pneus, je vais pas les faire, on va essayer sans. Et puis ça devrait peut-être rouler, hein. Et sans vendre mes pièces, déjà, j'arrive à tout acheter. J'aurais peut-être quasiment... Avec les pièces vendues, j'aurais... quasiment assez, j'en sais rien, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. On nous fera faire encore quelques économies, même si c'est pas réellement pris en compte. On verra, si j'ai de l'argent, au pire, je lui mettrai 4 pneus. On va déjà monter le principal. Allez, ça maintenant. Cette pièce, je la redoute à chaque fois avec toutes ces hélices. Tu sais que t'es parti pour 3 minutes pour la visser, quoi. Ok, donc là on est bon, on va refaire ici.
peut y avoir un démarreur à mettre, oui. Voilà, donc moteur, on est complet. Je vais remettre ses roues. Au pire, je sais que j'ai juste à les changer si... si on a la thune, mais je pense que je vais pas les changer. On va dire que le client nous a demandé de... garder ces jantes là. Voilà. On peut pas déjanter puis remettre les roues. Donc. Ben, on va faire avec, hein. Que voulez-vous? Paf paf, donc ça c'est bon, on la lève. Et on est reparti par là. Hop. On n'oublie pas la pompe. Et puis on va pouvoir passer au test. Vendre les pièces. Toujours la même vis qui nous embête, hein. Purée. Allez. C'est pas vrai. Là. Alors, filtre c'est fait, obturateur c'est fait. Bah, est-ce que je peux faire tout vendre là? Ouais, on peut. Allez, hop, voir tout. De l'air. On va la redescendre quand même, histoire de faire quand même un peu de choses. On va aller voir ce que ça donne. Et faire prendre les 20%. Je vais regarder après combien il me reste d'argent. Mais oh, je vous dis, hein, l'esthétique, hein, voilà, on va passer outre. Hein. Alors, j'en ai un qui est pas bon. Tac, on est bon. Donc là, il faudrait que ça monte. 20%, chpaf, tac, boum, crac, allez. Emballé, c'est pesé, on est parti. Attends, va très vite, hein, je vous ai dit. Je ne... Non, non, je ne passe pas 15 ans sur ce truc à un moment. Ça ne sert plus à rien. 302 chevaux, allez, hop. Tac 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 tac, donc ça c'est tout vendu, il n'y a plus qu'à aller tester, je vais juste regarder le temps qu'on sache quand même à quoi s'attendre. 13,90, ok. Donc on sait qu'on peut agir sur les pneus si toutefois on n'arrive pas à choper. On va voir si ça marche avec les pneus classiques. Elle patine un peu. Ouh, ouh. Oh, peut-être ce sera bon quand même. Ça va pas passer. Ok. Oh oui, on manque. Oulala. Il va falloir changer les pneus. Bon, bah on va déjà partir sur deux. Et deux avant. Si j'ai assez, je mets les quatre. Sinon, bah on en fera que deux. Ok, donc c'est vu. Donc comme quoi, d'un véhicule à un autre, hein, ça change. Il y a des véhicules qui en ont besoin quand même. Eh bien, c'est pas grave. Donc, on va déjà commencer avec ces deux-là. Alors. Ils en prennent combien de ces pneus-là? 712 et 712. Donc, on va gagner en gros 1500 balles. En gros. J'ai... Oh, pouf.
J'ai 15 000, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Donc là, c'est une Refton Wind. Van Wind. Ok, 5, 10. Bon, de toute façon, je peux déjà en acheter 2. Il nous reste encore 5 000, donc je pourrais... Là, à l'heure actuelle, presque en acheter un troisième. Hein. Je sais pas si je pourrais acheter le quatrième, donc... On va quand même se méfier. Je vais déjà lui monter ces deux-là. Après, il va bien falloir qu'on calcule. Il va manquer un peu pour un quatrième, donc bon. Ok, alors j'ai combien là? J'ai vendu. Ah! On est à combien là? On est à 6500. On est encore loin des 10 000. Hein. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Parce que de toute façon, les pneus arrière, ça va être du 700 balles. Donc on va faire 1500. Ouais, non, allez, pas la peine. Ça n'ira pas. On y laisse comme ça. Sinon, on se retrouve avec une voiture à 3 roues encore. Donc ça va pas aller. Différence, ah bah oui, nettement. Ça se connaît un sacré coup. Par contre, 13, ils sont quand même gourmands là. 13,90, ouais, si c'est bon, 13,64, j'ai peur. Hein. Je me suis dit où? Allez, c'est validé, on est bon, on passe à la suivante. Ça sera donc la combien? La 13e, la 14e, 13e. On a toujours fait quelques économies sur celle-là. Normalement, on devrait être payé 23 000. Plus donc les 6 000 et quelques qui me restent. Mais c'est même pas comme ça que ça va marcher. En fait, on va avoir, à mon avis, si j'ai bien compris. Donc là, on est sur un 4x4 vert. 11-20. Ils sont puissants, ces 4x4-là. On est payé 43 000. Ah, voilà, ça va commencer là à sérieusement se débloquer. Donc, théoriquement, niveau argent, si j'ai bien compris le truc... On devrait avoir sur le compte là-bas 43 000 plus ce qui me restait de la fois précédente. Ouais, c'est ça. Il me restait 6 000 et des bananes. Donc 43 plus 6 000 et des bananes, ouais, c'est 49,521. En fait, c'est comme ça que ça marche. On n'a pas la rémunération, en fait, qui est mentionnée sous le véhicule. En somme, on a la rémunération prochaine du prochain véhicule. Donc là, limite, en somme, j'ai assez pour changer tout sur ce 4x4, à mon avis. Et si je fais des économies, à la prochaine mission qu'on va faire, eh ben, on aura la somme qui sera indiquée, plus ce qui me sera resté dessus, là. Je pense. Hein. Bon, je vois ça comme ça maintenant. Je commence à avoir compris leur système de banque. Alors, c'est vraiment bizarre, mais bon. Ma foi, c'est comme ça. 11-20. Alors, de toute façon, ce 4x4, je pense quand même qu'on peut se permettre de tout changer. Parce que là, lui, il va bien. Hein. Bon, on est reparti. Rebelote. On est à une heure de live, en gros. Donc, c'est bien. On a bien... Ouais, on a bien avancé. Donc, déjà encore en une heure. On va pas être loin du bout. Hein. Si on n'y est pas, même. Donc, c'est bien. Ça nous fera un petit peu, peut-être, 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour aller jeter un coup d'œil au... Au mode libre, donc ça c'est une bonne chose. Parfait. Allez, let's go. On change tout le 4x4, on va en profiter. Hein. Il y a plein d'argent pour le faire. Hein, donc 49 000 hein, théoriquement. Les pneus coûtent le même prix de toute façon. Ils sont tous à 5 000. Et puis la voiture qu'on a fait juste avant, c'était le même type de motorisation. Mais on a beaucoup plus de départ là. Donc c'est bon. Ah, quoi qu'il faut qu'on se méfie parce qu'il y a un. Bon, non. Ok, donc ça c'est bon. Tac, 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 tac. Bah, ça bien sûr. Et puis niveau moteur, ça roule. Hop, alors on est parti ici. Donc là, je vais normalement peut-être pouvoir le faire, de vendre tout et de racheter tout. Théoriquement, je devrais être en mesure de pouvoir le faire.
qu'on démonte l'arrière pour avoir accès à la boîte de vitesse. Ah oui, ça va être un petit peu plus complexe, mais bon. On va peut-être y passer un petit peu plus de temps. Malgré que... Voilà, donc là, on enlève ça. Et donc là, il va falloir repartir par l'arrière. Bon, on va peut-être pas effacer forcément plus de temps. À l'arrivée. Ouais, il faut démonter tout ça. Pour avoir accès au différentiel et compagnie. Donc ça, on le fera par le haut. Et tout ça, maintenant, se fait par en dessous. Donc allons-y. Ça, faut l'enlever. Et ben ça aussi, de toute façon. Voilà, on va se mettre dans le pot. Comme ça, on y verra bien. On n'oublie pas notre pompe à carburant qui est tout le temps indémontable. Voilà, et on repart ici avec cet arbre de transmission. Hop, hop, hop. On va te faire aller plus vite les voitures, moi. Dans 5 minutes. De toute façon, on commence à en avoir vu déjà quelques-unes. Donc vous verrez un petit peu justement quand on passera sur le 2015, eh ben la différence qu'il y a au niveau véhicule. Et l'intérêt justement de faire les jeux dans le bon ordre. Hein, si vous l'avez pas compris encore. Puisque là, sur ce jeu-là, je crois qu'il y avait... je sais même plus, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être une dizaine de véhicules grand maximum. Je crois que de ce que j'ai regardé, puisque j'ai le jeu au complet, hein, le 2015, je crois qu'on passe à 47 véhicules au total. DLC compris. Hein. Un jeu de base plus DLC. Donc vous voyez déjà un petit peu la différence. Avec donc bien sûr des configurations propres pour chaque véhicule. Et ensuite, quand on passera donc du 2015 au 2018, la quantité de véhicules modélisés dans le jeu et puis donc jouables. Est encore augmenté, et puis je crois même qu'on multiplie quasiment par deux avec les DLC. Donc on arrive quasiment à une centaine de véhicules, je crois qu'on doit être sur du 80 et quelques, 90, un truc. Vous allez voir, c'est affolant, sans prendre de mode, hein, sans prendre de mode, hein, juste en parlant de jeux de base et DLC. Donc c'est affolant. Et puis je crois qu'à l'heure actuelle, sur le 2021, si vous avez tous les DLC plus... ça faut qu'on le démonte du coup. Tous les DLC plus le jeu déjà originel, bah à mon avis, il y a plus de 100 véhicules, même beaucoup plus, je pense. Donc il y a déjà de quoi s'amuser quand même un petit peu. Et c'est là donc après que va rentrer justement donc un nouveau concept à partir donc, du 2015. Voilà. Bah ça, je vous laisse le découvrir quand on sera dessus. Bah vous verrez ça lors de la première vidéo. Allez, comme ça vous avez un petit peu les infos en avance. Alors, est-ce que je vends tout d'un coup? Ben non, parce que si je vends tout d'un coup, ça va pas le faire. Donc on a fait la boîte de vitesse en premier. Donc on va repartir par disque, plateau, butée, boîte. Collecteur. Donc on va déjà acheter tout ça. Je vendrai tout après. Disque. Plateau, collecteur, échappement. Oui, parce que celui-là, c'est pour les 4x4. Donc, ça se trouve, on va l'avoir, le 4x4 en version classique. C'est possible. Donc, lui, je l'ai. Il va falloir ça. Il va falloir...
je vais l'acheter. Il va falloir ça. Il va falloir ça. Et il va falloir ça. Et ça. Et ça. Voilà, on a déjà monté tout ça en dessous. On a ce qu'il faut. Et puis ensuite, on s'attaquera à la partie au-dessus. Ils sont beaux les plateaux noirs, les plateaux de pression pour l'embrayage. Je les trouve sympas. Bon, je pense que réellement, ils restent peut-être pas noirs très longtemps. Malgré que. Ok, donc là on est complet. Tac, on va remonter ce bidule là. J'étais plus vite que le jeu. Les vis ont même pas eu le temps d'apparaître que j'étais déjà en train de visser. Démarreur, je vais pouvoir le remettre. Allez, bonjour à vous, il y a du visionnage, 4, c'est cool. N'hésitez pas à venir interagir un petit peu, c'est le dernier épisode sur CMS, hein. Donc profitez-en, sur le 2014. C'est le dernier live surtout, mais après des lives, ça va y en avoir un peu moins du coup, puisqu'il restera que les Sims dans l'immédiat. Hein. Je sais pas après quelle autre série je referai en live à côté de ça. Donc ça, si vous voulez venir discuter en réel, c'est le moment ou jamais. Parce que après ça sera que du commentaire vidéo pour la plupart. Alors, on va repartir par là. Donc ça c'est bon. Donc on est là à la pompe. Voilà. Et donc théoriquement maintenant je peux tout faire du bord. Théoriquement. Je vais remettre ça et lui acheter donc deux roues pour mettre derrière. Ça, je les ai pas. Voilà, comme ça, on aura fini l'arrière. Donc, c'est là. Olsen Grand Club, je crois que c'est un truc comme ça. Rue Grand Olsen, ouais, c'est ça. Une roue, pardon, j'ai dit rue. Donc x2, déjà, ce sera suffisant. Voilà. Donc là on est bon. Alors on va revendre des pièces. On va commencer. 2 roues. Une pompe.
pot d'échappement. Silencieux. Kata. Pot d'échappement. Collecteur, c'est fait. Oui, disque. Silencieux, tac, tac, tac. Tout ça, c'est pas fait. Ça roule. Donc, faut qu'on achète tout ce qui est pour le moteur. Eh bien, allons-y. Alors, bougie, il en faudra 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On continue. Couvercle de cylindre V6. 1, 1 comme ça. 1 comme ça. 1 comme ça. Un filtre à air. 2 modules. Un obturateur V6. La pompe jet. Quick, 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 il va nous falloir deux roues de grand Olsen pour l'avant. Et puis, c'est fini. Hop, hop. Quick. Ça. Ça a de la gueule après les pièces brillantes là. Ah, j'avais pas démonté ça. Zut. On va peut-être le changer. Un petit oubli. Bah j'ai sûrement pas démonté. Ah bah si, celui-là je l'avais enlevé. Sensible l'espèce d'œil là. Voilà. Donc là on est bon, on est complet, il manque ça. Donc motorisation, c'est good. Théoriquement, il nous reste des petits cardans à mettre là. Une roue là. Et on a fini l'auto. Il nous reste l'autre côté. On va aller lui faire prendre les chevaux qu'il faut. Est-ce que ça donne les roues un peu... Ouais, ça va encore. Sur le vert pomme, là. La couleur est sympa, par contre. Vert pomme, je trouve pas moche. Voilà, théoriquement, on doit être bon. Hein. Obturateur, c'est fait. Filtre, c'est fait. Bon, je vais regarder, mais théoriquement, oui. Hein. Toc, toc, toc. Ouais, non, tout est bon. Hop, allez. La voiture est complète. On teste ça là. Et on va chercher le chrono. Alors, le plus dur, c'est d'y arriver. Alors j'en ai deux. Presque. J'en ai deux. Voilà, c'est bon, c'est fait. Salut Nico. Salut à toi. On est en train de finir le jeu. Je sais pas si t'es là depuis le début ou pas.
encore un coup. Merci. Allez, je touffe. Celui-là va monter haut en puissance. Hein. 290 de base. Ah ouais, c'est 592 celui-là, c'est monstrueux. Lui. Allez, boum. Il devrait pas y avoir de patinage en plus, puisqu'on a les 4 roues. Toc toc toc, je vais peut-être faire juste après ce test là. J'ai pas regardé combien que c'est, mais je crois que c'est 11 et des bananes. On va être 11,60 ou 11,80, je sais plus. Regardez un petit peu. Waouh, celui-là, c'est des monstres, lui. Il dirait même quasiment que c'est l'un des véhicules qui va le plus vite. Hein. 10,99, ah ouais, il est terrible, lui. C'est peut-être même 11,20 qu'il fallait avoir. On va regarder quand on va valider. Je vais aller... ouais, je vais faire une petite pause. Je vais me faire un petit café. Parce que je suis bien sur le live. Hein, 1h17. On est plus que bien. On est à la facture 13. On attaque la 14e, là. Et je rappelle, il y en a 17. Hein. 16, 17. Non, c'est bon. 13, donc, c'était 11-20, ouais. Allez, paf. Donc, on reçoit la prochaine voiture, qui sera donc la 14e. Je vous quitte donc juste quelques... Bon, une minute ou deux, là, grand max. 15-20 pour la Genesis Stone. 21 000. Alors, par contre, il va falloir qu'on se fasse attention, parce que... Justement... Ouais, c'est la petite Corsa. Justement, au niveau de l'argent... Oui, j'ai moins, là. Mais vu qu'il m'a resté de l'argent de l'autre, eh bien, du coup, ça compense. 37 555. Donc, théoriquement, on peut toute la modifier, parce que... Parce que c'est une voiture simple, celle-là. Allez, je vous mets en pause. Attends, j'ai déjà coupé le micro. Je vous mets en pause comme ça et je reviens. A toutes. Allez, de retour. On est reparti. J'ai mon petit café. Important. Ah, moi, 4-5 heures, il me faut à chaque fois mon petit 4 heures. Je suis comme les enfants. J'ai pas ça, ça va pas. Allez, go! On regarde cette Genesis Stone. Alors, j'ai pas de pièces. Non. Donc, c'est parfait. Eh ben, allez, on démonte. On reprend les mêmes et on recommence. Ils arrêtent ça jusqu'au bout, hein. Dans un sens, je vous en veux même pas si vous y regardez pas, hein, parce que c'est vrai que le jeu est hyper répétitif, hein, à l'arrivée. Eh bien, dommage. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait du démarreur ? Ah ben, je l'ai pas par là. Par là. Allez, hop, de toute façon, on désosse tout ça. On est à peu près sur combien? 1h15, 1h, ouais. On est pas mal. À 2h, je pense qu'on est sur la dernière voiture, je pense. Si ça veut aller. Sur la 17e. Donc ça, bah oui. Allez, tant qu'on est là. Pour que je renverse mon café. Qu'est-ce qu'il nous reste à changer là-dessus? Tout ça. Le module, on l'oublie pas cette fois. Bon, là, il n'y en a qu'un, donc. On peut pas trop l'oublier. Ouais, ça serait bien qu'il nous ait mis le 4x4, là, du DLC 4x4, mais... Je sais pas, parce que... À l'arrivée, vu que c'est des DLC indépendants, celui qui, à l'arrière, a le DLC 1 Carmine, mais qui n'a pas le 4x4...
Ben, il pourrait se retrouver. Enfin, il peut pas se retrouver avec le 4-4, donc peut-être que finalement il y est pas. Je me dis. On va voir. Mais ça pourrait être sympa parce que le 4-4 est un peu différent. Bah, je vais enlever les roues arrière. On sera fait. Bah, pour moi, cette voiture-là est assez hein, pour toute la changer. On a fait tout ce qu'il faudra ici. Par contre, c'est la voiture prochaine que ça risque de poser problème parce que on va pas avoir beaucoup d'argent de surplus, quoi. Bon, après, tout dépendra du véhicule que c'est. Tout dépendra de ça. C'est laquelle qu'on n'a pas vue encore. Parce que pour moi, elles le sont toutes. Hein. Ou alors, ils nous les mettent deux fois. Peut-être, hein. On a vu le 4x4, on a vu la familiale, on a vu la petite citadine, on a vu la golf, il me semble. On a vu la l'espèce de Bentley, là, je sais pas quoi, là. Celle qui nous avait fait criser là, la première fois, là, en noir, là. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc, à mon avis, maintenant, on va retomber sur les mêmes. Je sais que la dernière, c'est un 4x4 noir, de toute façon, ça c'est sûr. C'est un espèce d'Olsen Grand Club noir. La 17ème. J'ai regardé au préalable, justement. C'était pour les miniatures, en fait, que je voulais le voir. Et puis, j'ai rien trouvé de super intéressant, parce que je pense qu'il y a peu de monde qui ont été au bout, et c'est pour ça qu'on trouve très très peu de miniatures dessus. Puis vu que moi, j'ai pas le jeu de fait en avance, et eh bien du coup, j'ai dit tant pis, genre, je remets cette miniature-là. J'ai modifié un peu à ma guise, mais... Hop, c'est pas le plus important. Bon, et eh bien on va se mettre à acheter ce qu'il faut. Donc on a 37 000 balles. Donc 4 bougies. 2, 3 et 4. Un catalyseur, un collecteur, un disque, un faisceau, un filtre, un couvercle, un module, un obturateur, un plateau, une pompe, un pot d'échappement arrière, un pot d'échappement avant. Un pot d'échappement central. Donc là, c'est une... Ah, attendez voir. J'ai voir le nom. Et j'ai un doute. Silencieux central... oui. Et c'est tout. Comment qu'elle s'appelle, cette petite auto-là? Genesis Stone. Il n'y a pas les roues. Si. Je les aurais passées. Ah, si, elle est là. 5000, 5000, 5000. Eh ben, c'est bon, j'ai encore assez, non? Oui. 5000. Voilà. Donc, on a un petit peu de monnaie de côté. Parfait. Allez, on est reparti. On remonte. Il est temps. Comme ça, après, je fais un vendre tout à la fin. Ok. Yep, pas voulu la prendre. Boum.
pas celle, mais... Ça. Ça. Ouais, je suis content après de l'avoir fait en entier. Parce qu'en toute franchise, ce jeu je l'ai quand même depuis très longtemps finalement. Complet. Et personnellement, c'est souvent le cas hein, sur mes let's play de toute façon que je vous propose. En toute franchise, je ne l'aurais jamais bouclé en entier de mon côté seul. Donc le fait de les faire en let's play, de toute façon, t'encourage, entre guillemets, à le finir. C'est ça que je trouve d'intéressant, justement, en faisant les aventures sur YouTube. C'est que ça motive, quand même, mine de rien, parce que t'as ton suivi de numérotation d'épisodes. Tu sais quand même où t'en es, au niveau de ta publication. C'est pour ça aussi, un petit peu, hein, que j'ai créé ma chaîne. Vraiment pour m'inciter moi à essayer de boucler des jeux en fait. Je le fais, je vous dis, hein, je le fais principalement de base pour moi. Hein, de toute façon. Je le fais pour vous aussi, en complément bien entendu. Mais la principale chose que j'ai lancé ma chaîne, c'est principalement pour moi. Hein. Pour une motivation en fait. Hein. Au parallèle, je vous montre comme ça un petit peu ce qu'on peut faire, comment les jeux sont constitués en entier. Mais voilà, de base, l'idée générale, elle est là. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi de commencer des fois un jeu, peu importe le jeu, hein, que ce soit un jeu classique, un jeu console, n'importe. Et puis de finalement le lâcher au bout d'un moment, c'est pas parce qu'il plaît plus. C'est juste que des fois, d'autres jeux sortent, on part sur d'autres jeux, et puis, on n'y revient pas. Après, on se retrouve perdu parce que, du coup, on ne sait plus où on en est. On a joué dessus déjà depuis quelques semaines, mois, voire plusieurs mois. Et puis, des fois, c'est tout simplement dur de reprendre. Qu'avec YouTube, l'avantage, c'est que vu qu'il y a une trace vidéo, pour le coup... Moi je le dis, hein, des fois je revisionne hein, quand un let's play dure, j'ai pas joué depuis quelques temps, et je revisionne des fois la dernière vidéo ou même l'intégralité de la playlist, et ça me permet du coup de reprendre mes marques et de savoir ce que j'ai fait en fait. Et ça si tu fais pas de vidéo, malheureusement, ou alors après si tu pourrais le faire de ton côté, il faudrait à la rigueur s'amuser à enregistrer ces parties, faire comme si elles étaient publiées. Et pour vous le dire, fut un temps, j'avais presque pour projet de le faire. D'enregistrer, en fait, sans faire de publication internet. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, autant créer une chaîne, et puis... Comme ça, au passage, ça peut plaire à du monde, quoi. Et puis la preuve, ça plaît quand même. Il y a quelques personnes qui sont là de temps en temps, donc je me dis que voilà, il y a des gens à qui ça plaît apparemment. Donc tant mieux. Mais le but c'est pas de vous faire une exclue en avant-première avant tous les autres sur les jeux. Ça je m'en fous complètement moi. Bon j'ai tout monté normalement. Alors, toc, je vérifie, mais ouais, ça me paraît bon. Est-ce que j'ai mis la pompe à carburant? J'ai un doute. Je crois. Hein. Quand même vérifier. Je sens que je l'ai mise. Ouais, c'est bon. Non, c'est ok. Donc je peux vendre tout. On va aller chercher les 20% du truc ici. Boum. Et c'est parti. Alors, programme et prom.
On y va. J'en ai deux. Paf, ok. On est parti. On refait monter tout ça. Encore un coup. Nickel. Hop. chevaux, et ben on fera pas plus. Allez, test piste. Petite Corsa, elle va s'envoler. Théoriquement, ça doit être bon. Et oui, 15-20. Donc c'était la 14. On passe à la 15e. On approche de la fin. Gentiment. Ça va être quelle voiture cette fois-ci? Ah, le Kangoo, oui, je l'avais oublié, lui, là. On l'avait pas déjà fait, quand même. 16-10. 22 700. Ok. Donc, on a quoi comme trésorerie, là? 32, 358. Théoriquement, on doit avoir assez, aussi, pour tout changer. Théoriquement. Donc, bah, rebelote, hein. En plus, lui, il en faut pas mal, quand même. Il est pas très, très puissant, de base. Je crois qu'il fait même pas 100 chevaux, il me semble, de départ. Je me passais pas 75 chevaux. Je crois bien la puissance vraiment de début. Ok, ici c'est bon. Oui, je démonte pas toujours dans le même ordre. Hein. De toute façon, je sais où sont les pièces, hein, donc. Il n'y a plus de secret. Hein. Ça sera même dans un sens peut-être pas l'épisode le plus intéressant à l'arrivée qu'on ait fait sur toute la playlist. Vraiment un épisode qui va finalement se ressembler début jusqu'à la fin. Mais bon, il fait partie du game jusqu'à la fin. Alors bah profitez, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à me dire justement bah, ce que vous en aurez pensé, hein, en discussion là actuellement en commentaire. Ce que vous en aurez pensé de revoir ce jeu, si vous l'aviez peut-être déjà vu, jamais vu. Ça vous a fait plaisir quand même de le suivre.
Bien sûr, à ma façon, hein, c'est sûr. N'hésitez pas. Alors, je vais pas refaire le jeu, hein, de toute façon. Le jeu était tel qu'il était, hein, j'ai envie de dire. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai développé, quoi. Donc, une fois les problèmes qu'il a, moi, j'ai envie de dire, je vous les ai montrés, je vous les ai cités. Hein. On les aura vus ensemble. On sait, de toute façon, moi, je sais que par la suite, il y a des choses qui ont été corrigées. Il y a des choses qui ont été changées, et ça, c'est bien. Donc, je pense que les développeurs ont été conscients à l'époque de des éventuels couacs qu'ils avaient réalisés en le faisant. Bon, moi, c'est pas mal. Hein. Est-ce que j'ai pris la pompe? Oui. Je vous l'aurais présenté au complet. Ça, c'est un truc auquel je tenais de toute façon. Il n'y a pas de possibilité de modding sur ce jeu, ça n'existait pas encore. On ne peut pas rajouter de véhicules modérateurs, ils appellent ça. Je crois même pas qu'il y ait un workshop sur Steam, enfin, je regarde, mais je crois que non. Ok, il nous reste juste les roues arrière. Allez, on part sur l'achat des pièces, en espérant qu'on ait assez. Donc 4 bougies, 1, 2, 3, 4, un kata, un collecteur, un disque, un faisceau, ça, un obturateur. Tac. Donc là, c'est la... Il faut que j'aille voir le nom. Silencieux. Oh, j'ai quoi comme nom, là? Efton Van. À mon avis, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la van. Ah, oh, je suis perdu. Non. Donne van 1, 2, 8000, 3. Il va manquer un petit peu de sous, donc faut qu'on vende quelques pièces. Je vais vendre déjà 2 roues. Ce qui vend un peu de. Ce qui vaut un peu de sous. Bon, j'ai peut-être assez là. 5500, c'est bon. Je pense que je suis bon. En avant.
qu'on en mette encore bah deux. Normalement il restera deux véhicules après celui-ci. On est théoriquement sur l'avant-avant-dernier. Qu'est-ce qui me manque que ça me... Ah mais non, mais il n'y a pas de cache, oui, sur celui-là. Effectivement. Oh, c'est bizarre, il me propose pas le démarreur, il devrait. Parce qu'il faut que j'ai ça de mis. Ah si, mais il va derrière le démarreur sur celle-là, bah oui. Pour ça. Et oui. Voilà, donc là on est complet. Je paf paf paf. Donc on repart en dessous. Non, c'était bon. Pompe. Tac tac tac, ça c'est bon. On va faire un demi-tour. Non, c'est pas possible. T'inquiète, t'es là? Oh, bah, après, vous faites comme j'ai dit hein, plusieurs fois. Vous faites comme vous voulez, moi. Moi, je fais le truc, hein, après. Si vous êtes là, vous êtes là. Si vous êtes pas là, vous regarderez en vidéo quand ça ressort. Hein. Vous êtes libre. Moi, je suis dans mon truc, j'ai envie de dire, après. Il bien fait ce qu'il veut. Bon, alors on est bon. Il va nous rester des roupettes à mettre. Non, je suis un peu moins bavard après sur celui-ci que... Bah, sur cet épisode-là que des fois les autres. Parce que voilà, de hein, toute façon, je dis, j'ai fait le tour du jeu. Hein, donc, à un moment donné, vous racontez des trucs sur le jeu. J'ai envie de dire, je vous ai déjà principalement tout dit. De toute façon, donc, c'est du vu et revu. Hein, donc. Là, mon objectif en tête, c'est de le boucler, hein, de toute façon. Donc... Il n'y aura rien de plus maintenant dessus. L'objectif c'est de le finir, moi, pour que la playlist soit complète. Je sais que de toute façon, voilà, dans moins de... On va dire dans grand maximum, bah, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, le jeu est bouclé pour moi et ça va même être un soulagement, en un sens, hein, parce que là, je le... Ouais, donc voilà, je le trouve plus intéressant à mon sens. Hein, quand même. Mais je le finis pour voilà, qu'il soit complet, quoi. J'ai dit tout à l'heure, je suis content de l'avoir fait quand même, de l'avoir mené au bout, parce que c'était l'objectif. J'ai expliqué, hein. Je sais que de meilleures choses nous attendent sur les prochains, donc voilà. J'ai hâte d'aller dessus. Bon, bah, je crois qu'on est bon. On va pouvoir aller tester ça. Tac, 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 tac. Donc ça, on vend tout. On ferme ça. On va à la soufflerie prendre les 20%. Piste. Et on passe à l'avant-dernière mission. Allez, on y est presque bon. Nickel. Plus, plus, plus. Ah oui, mais ça descend. Non. Encore un coup. Hop. OBD-Link. Lancez le test.
Et on est sur un Kangoo à 133 chevaux. Eh ben c'est parfait. Allez hop. Qui devrait pas patiner en plus. Que demander de plus? Allez, j'espère par contre qu'on a assez de monnaie pour les deux dernières missions. J'espère. Ça c'est ma hantise. Quelle voiture ils vont nous avoir mis là donc pour l'avant-dernière, parce que la dernière je sais, mais l'avant-dernière je pense qu'on va repartir sur la... Je verrais bien la Vulcan Spectre, la voiture un peu rapide. Je verrais bien celle-là en avant-dernière. 15,95. Je pense. Parce que, ou alors le fameux 4x4, mais je pense pas. En toute logique, c'est pas trop possible. Ça aurait été bien, je trouve, mais... Faut avoir les deux DLC pour ça, donc. 16-10, allez, boum. Donc on était sur la 15, on passe à la mission 16, qui est l'avant-dernière. On n'est pas sur la dernière... Ouais, bah Vulcan Spectre, c'est bien ça. On n'est pas sur la dernière ligne droite, mais c'est pratiquement. 11-30. 33 500, donc théoriquement... Ah, 33 500, faut qu'on se méfie. 37 700, donc est-ce qu'il y aura assez pour tout changer? J'en sais rien. On va le tenter. Alors c'est pareil, la dernière mission, on verra de toute façon tout de suite après là quand on sera dessus. De ce que j'ai vu, elle paye. Mais c'est monstrueux, mais au final, il y a à l'arrivée aucun intérêt parce que. Puisque vous êtes au bout du jeu, alors sauf si ça vous donne de l'argent en mode libre, je sais pas. Mais il y a aucun intérêt parce que finalement, cet argent ne vous sert à rien à l'arrivée. Donc c'est même un peu ridicule, je trouve, mais bon. Bon, faut en faire avec. Hein. Qui est une bonne récompense, après, je trouve ça normal, puisque c'est la dernière. Ça paraît assez logique. Mais pas d'intérêt en soi dans le jeu, quoi. Parce qu'au final, vous ne pourrez jamais vous en servir. On verra. Ce sera la surprise du chef dans quelques minutes. On va déjà s'occuper de celle-là. On va quand même essayer de viser le complet, hein, mais je promets rien. Et ces bougies là qui sont imprenables à chaque fois, bon sang. Hop là. Ok, donc là, on est sur une voiture, oui d'accord, ok, donc on peut rien de plus pour le moment, donc de toute façon, faut tout désosser. Eh ben ça roule. On va en profiter aussi d'enlever ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué un coup de trop. On l'a déjà vu cette Vulcan Spectre jaune là, non? Ça me dit quelque chose. En tout cas, je me dis que j'ai bien fait quand même, mine de rien, de pas perdre trop la cadence là et d'y aller bon train parce que... On arrive à 2 heures de live et bon, on est au bout quasiment, mais voilà quoi. Si j'avais traînassé, on aurait été sur un très 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 bon live. Hein. Ah, je savais qu'il y avait quand même encore. Oh, qu'il y avait quand même encore du boulot. Mine de rien. Hein. Mais je me doutais que ça pouvait passer. Si on était sur du. Sur du truc que justement comme ça, linéaire. Tout le temps pareil, c'était assez logique qu'on ait le temps.
que de toute façon, à partir de l'épisode dernier, j'avais quand même fortement débloqué le problème. On avait notamment rencontré... Ouais, la pompe, merci. Voilà, donc là on est bon. Il va nous rester donc toute la ligne. Donc pour le 2015, quand on sera dessus, pour vous expliquer un petit peu, deux, trois petites choses, mais vraiment rapidement. Donc le jeu est légèrement différent quand même, sachez-le, d'avance, mais ça vous verrez quand on sera dessus. Vraiment, j'expliquerai de toute façon. Donc j'ai bien sûr, moi, comme j'ai expliqué plusieurs fois, pris quand même un petit peu de temps pour aller voir ce que ça ressemblait, voir un petit peu comment il se constituait. Il est légèrement différent, on retrouve des choses un petit peu similaires à celui-ci, mais pas que, il y a des choses qui sont un peu différentes. On retrouve en fait, il y a un mélange de celui-là et de ce qu'on avait pu voir à l'époque quand j'avais fait ma première playlist sur le 2018. Et forcément oui, parce que c'est un petit peu l'intro au 2018. Donc ça c'est une bonne chose, mais par contre sur sa mécanique de jeu, sur les commandes entre guillemets, il n'a rien à voir avec celui-là et je trouve même qu'il n'est pas hyper pratique. Mais bon, ça c'est mon avis. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que dans le 2018 il y a eu des choses qui ont été changées. Et ça c'était quand même pas une mauvaise chose. Et on retrouve en fait dans le 2018 des éléments un petit peu comme celui-ci. Et ça c'est pas plus mal parce que celui-là n'était pas si mal fait que ça dans un sens. Sur sa mécanique quoi. On va dire, au niveau des touches. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire sur le 2015? Oui, on va y jouer normalement. Donc à partir du 2015, il y aura une possibilité de choisir le mode de jeu que celui-là n'avait pas. C'est-à-dire un mode de difficulté, en fait, tout simplement. Et ben vous verrez que j'y jouerai donc en mode de difficulté le plus difficile possible. C'est normal parce que je le trouve un peu plus réaliste de cette manière. À l'époque sur ma chaîne, donc dans mes tout débuts, quand j'avais fait le départ du 2018 et même l'aventure sur le 2021. Sur le 2021 je sais plus si je l'avais fait comme ça ou pas. Mais voilà, on va y jouer en mode expert en fait, ils appellent ça. Donc mode expert en fait c'est par exemple, ben, y a pas le contour des pièces en fait. Vous avez pas notamment la clé là comme j'ai quand je démonte une pièce qui apparaît. Enfin, ouais. On a vraiment l'impression plus d'être dans l'immersion du truc. Alors ça rend le jeu plus difficile parce que du coup il faut vraiment aller sur l'endroit bien propice. Mais ça voilà, je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc ce sera normalement un peu plus complet, moi, j'ai envie de dire. Mais ma foi pour le moment je m'en sors. Mais alors le problème d'y jouer en mode expert c'est que du coup ça rend la tâche plus compliquée. Parce que notamment on n'a pas l'interface en fait en jeu, c'est-à-dire le menu d'aide qui nous dit telle touche fait tel truc, puisque le jeu fonctionne par raccourci, vous allez voir. Du coup c'est à vous en fait de savoir les raccourcis, ce qu'il vous faut. Et bon, bah, c'est pour ça que l'entraînement pour moi aurait été quand même judicieux, parce que sinon bah, j'aurais été perdu, donc c'est pour ça que je vais pas lancé forcément sans connaître le jeu en fait. Et c'est d'ailleurs aussi un truc que je déteste un petit peu, de lancer des jeux sans les connaître, parce que sinon en vidéo après ça rend mal, on est perdu et puis surtout on perd beaucoup de temps. Donc non, c'est pas une avance je trouve. Un collecteur, alors attendez, je vais essayer de me reconcentrer là sur ça. C'est celui-là qui est en fait le collecteur d'échappement B, il sert à rien, je me rends compte. Alors à moins que ce soit sur cette voiture, mais je crois pas. Hein. Collecteur d'échappement, ben non c'est un V6, j'ai bien acheté 6 bougies, hein. Ouais. Bon, bah écoutez, donc en fait on est sur la même configuration que les autres, hein. C'est juste que, ouais, ok, bah écoutez, on va pas s'en soucier. Alors, donc ça j'ai un disque plateau, ça, oh j'ai acheté tout n'importe comment là dans le... Je sais pas si j'ai bien fait de faire comme ça. Arrière gauche, arrière droit, V6. Parce que oui, il nous propose un tout terrain, mais au final on n'a jamais le véhicule. Alors c'est un peu illogique même je trouve, mais bon. Enfin moi c'est mon point de vue. L'échappement.
Bon, écoutez, j'achète ce que je sais qu'il faut acheter, et puis on... Et puis on avisera, hein. Voilà, je vais pas aller plus loin pour le moment. Je pense qu'il me manque le catalyseur, c'est pour ça que j'en suis pas sûr. On va regarder ce qu'on peut faire. Allez. Remontons tout ça. On arrive donc sur 2 heures de live. On est pas mal du tout. Voilà. Allez, ça, on referme. Moi, je sais même pas si t'obtiens quelque chose finalement à la fin du jeu. Je sais pas. On va le voir justement. S'il y a un genre de voiture récompense ou je sais pas du tout. Moi, je pense que non, mais... Donc ça c'est good. Il va nous falloir ça. Donc niveau moteur, j'ai déjà pas mal. J'ai même quasiment tout mis, je pense. Donc on a très bien avancé. Dans 5-10 minutes, la voiture est squee. Il fallait finir. Et pas de cash sur cette voiture, ça m'étonne. Ah bah oui, forcément. J'ai pas mis ça. Ah, voilà. Donc là, on serait complet. Donc on va repartir par en dessous. Il va sûrement falloir qu'on vende quelques pièces pour pouvoir clôturer. Ça catalyseur V6, bah oui, il faut que j'aille l'acheter. Je l'ai pas. Comme quoi, j'y vois la couleur quand même. Après, on est bon. En plus, je savais, je l'avais dit que je l'avais pas acheté. Ah, on fait les choses bien jusqu'au bout. On commence pas à mélanger les pièces. J'aime pas. On change tout ou on change rien. Voilà. Quand je fais un mix des deux, c'est que j'ai pas le choix. Mais là, normalement, on est bon. Voilà. Alors, on va remettre ça tant qu'on a un peu de place. Et ça, ça sera par le côté. Voilà l'échappement.
Allez, donc je vais faire le tri dans les pièces pour avoir ce qu'il faut pour les dernières petites choses, à savoir donc surtout les roues. Je me suis perdu dans le machin, c'est là qu'il faut... Il faut que ça descende. Alors, de toute façon, on va vendre les trucs qui valent cher. En priorité, ça, ça... J'ai pas monté la pompe. Ah, c'est bien fait de vérifier. Oh bah oui, au bout d'un moment, on en perd. Donc la pompe, hop. Et ce boulon qui veut jamais se mettre jusqu'au bout. Voilà, on peut redescendre. Alors, j'avais dit que je vendais des pièces qui valaient cher. Et bah l'obturateur, ça vous fout un peu ça. Module, oh oui, bien. Oh, bon, ça se trouve, j'ai assez pour m'acheter 4 roues. Hein. On va regarder. Faut 20 000. 16 000. Alors, on va commencer par deux. Donc, c'est une Vulcan Spectre. Bah, quoique, j'ai pas vendu les roues, donc. Puis, ça devrait aller. Donc, une et deux. Bon, on va quand même y aller mollo. Alors, c'est une voiture, de toute façon, 4 roues motrices, donc, clairement... Ça va pas. Voilà, ça va pas changer grand chose. C'est ou 4 ou rien dans un sens. Bon, ça jouera quand même, hein, ça fera quelque chose, mais. Bah quoique non, elle est même pas 4 roues motrices parce que. Au final, non, c'est juste une propulsion celle-là. Non, ouais. Je dis des bêtises. Finalement, j'aurais presque dû les mettre à l'arrière. Bah c'est pas grave. On va tenter. Je pense qu'on peut. Mais non, en fait, les roues avant sont pas reliées. Donc là, en vendant deux roues, puisque j'en... Ah bah oui, elles valent quand même 1000 balles, donc si, ça devrait quand même... Ça devrait quand même payer un peu. Ouais, ça coûte encore 100 balles, ça, 200... Ah oui, il y a moyen de... Tiens, tout l'échappement, ah, ça vous dit fou, ça. Ouais, petit, c'est bon. Ça va le faire. Regarde des dons. Tiens, lui, là, lui vaut cher, lui. Ah bah oui, il vaut 1000 balles, oh lolo. Bon, on a peut-être assez pour se les acheter, j'espère. Il nous faut 10 000. Et bah c'est bon. Allez, on se pose pas de questions. 1 et 2. Bonne journée à toi. Bah écoute, bonne journée à toi également. Si... De toute façon, je serai parti, à mon avis. Il y aura plus de vidéo là-dessus, mais merci à toi d'être passé. C'est cool. Alors, mode montage. Donc la roue neuve. Rum. Je voulais pas voir la dernière voiture alors du coup. Allez, je boum. Tout ça on vend. On va la... C'est parti. J'en ai deux. Voilà. J'aurais dû faire dans l'autre sens, ça aurait été plus vite. Tant pis. Hop, hop, hop. Il nous reste plus qu'à valider le temps. 622 chevaux, ouais, ben dis donc. Bien.
Allez, en route! On attaque, cette fois-ci, notre dernière ligne droite. 11 minutes, non, pas 11 minutes, 11 secondes 30 pour cette Vulcan Spectre. Et on aura accès à la dernière voiture. Allez, c'est parti! Youhou! Nickel, 11.08. Paf, on rend ça. Mission 16 bouclée. On passe sur la 17e, la dernière de cette aventure Car Mécanique 2014. Normalement, voilà, 4-4 noir. Donc c'est un Olsen Grand Club qui doit faire donc 11 secondes. Et donc, voyez un petit peu la rémunération, 99 999. Alors, je le savais, hein, de façon. Je l'avais vu, moi, sur Internet. Mais, comme je l'ai dit, hein. Alors, à moins qu'on ait l'argent tout de suite. Sinon, ben, à l'arrivée, on peut s'en servir. Ah bah si, finalement, on a l'argent tout de suite. Donc, à l'arrivée, s'il y a une utilité. Parce que, du coup, bon, de toute façon, pas de grand secret, hein. On va pareil, on va tout changer. Et puis, voilà. Allez. On attaque la dernière étape. C'est parti. Alors, on pourrait s'amuser, là, pour le coup, à tout changer. Mais bon... Mettre tout à neuf. Je sais même pas s'il y aurait assez d'argent pour la mettre toute neuve. Je sais pas. On va pas s'embêter. On va juste faire ce qu'il y a à faire. Et puis basta. Hein. Je suis pas sûr qu'avec 100 000 tu puisses changer tout. Là, je sais pas trop. On va se méfier quand même. Parce qu'on aurait l'air malin si on avait pas assez. Voilà, donc profitez de ce démontage, puisque normalement c'est le dernier. Le dernier, enfin ce sera pas le dernier en soi, parce qu'on en reverra d'autres, mais... En tout cas pour ce jeu. La dernière voiture qu'on traficote. Voilà, nickel chrome. Donc c'est peut-être sur celle-là qu'il faudra le... En bout tordu, mais non, je pense pas. Non, non, c'est toujours le même. Ok. Est-ce que j'ai démonté le filtre à air? Oui. Donc ces véhicules qu'on aura vus dans le 2014, hein, là, pour la plupart, je dirais même tous, hein, des véhicules qu'on retrouvera dans le 2015. Normalement, ils y sont tous. Avec donc en plus des nouveaux. Donc ça, c'est une bonne chose qu'ils aient gardé les véhicules, je trouve. Puis on va même les retrouver encore après, parce que... Même dans les prochains opus, ils y sont encore pour certains. Donc ce Olsen Grand Club, ben on le retrouvera bien sûr dans les prochains. En mieux fait, forcément.
plus de pièces. Donc ça c'est cool. Bon, la conception de base sera quand même encore un peu la même. Mais toujours plus de pièces modélisées. Ben, on aura accès du coup aussi au moteur, pour le coup, sur le 2015. Ça c'est pareil, c'était quand même un très bon ajout. On va vraiment pouvoir faire de la salade de soupape et compagnie. Hein. Donc ça c'est pas mal. La segmentation, je crois normalement y est. Donc c'est cool, ça va nous faire toucher un petit peu à d'autres pièces. Ce qu'on aurait eu l'habitude de connaître ici. Là, l'avantage c'est que je vais pouvoir tout acheter d'un coup, parce que là on n'aura pas soucié de l'argent. J'ai largement ce qu'il faut pour me permettre de changer tout. Je vais essayer de faire un achat complet d'un seul coup. Voilà, on est tout bon normalement. J'ai bien démonté tous les traîneaux, ouais. Eh ben allez. Commande de pièces, la dernière. Pièce tuning. Et donc il nous faut 6 bougies. 3, 4, 5 et 6. Ça c'est pareil, je crois que c'est un ajout qu'ils ont fait après l'histoire de... Peut-être pas dans le 2015, je crois que c'est à partir de 2018 qu'il y a la quantité qu'on peut modifier. Mais il me semble que... Non, 2015 c'est encore du 1 par 1. Catalyseur V6, oui, sur cette voiture. Donc c'est celui-là, hein, c'est pas l'autre. Celui-là finalement ne sert à rien. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Ça yes, ça non, ça x2. Obturateur V6, un plateau, une pompe. Pour d'échappement, j'en ai pas besoin. Il me faut celui-ci. Il me faut celui-ci. C'est une Olsen Grand Club. Donc ça, j'en veux 4. 2. 3. Et 4. Ça, c'est pareil. Il n'y en a pas besoin. Silencieux central V6. Et 2 comme ceci. Et on est full tout bon. Vous remontez le tout. Allez, go! En avant! Dernier remontage. Ah bon, on les connaît presque par cœur, hein, ce coup-là, les bagnoles. Hein. Elles n'auront plus de secret pour nous dans le prochain opus. Hein. Non, il faudra quand même s'y refaire, parce que de toute façon, je vous dis, elles changent un petit peu. Elles changent un petit peu, elles sont un petit peu différentes quand même sur certains points. Mais c'est bien. Il faudra voir autre chose. Blim, 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 blim. Allez, on remet ce grand machin qui est long à mettre. Quasiment ce qui prend le plus de temps. Moi, je vais visser même par l'autre côté. C'est long quand même. Voilà. Donc ça, c'est good. Ensuite,
On va finir le moteur tant qu'on est par là. Allez. Oui, on fout. Ok. Je me propose pas le chapeau parce que j'ai oublié quelque chose. Oui, le démarreur. Ah non, il est mis. Parce qu'il faut ça. Voilà, on a déjà bien avancé. Moteur complet, paf. Allez, ensuite. On repart ici, avec ça. Une nouvelle roue. Ça y est les amis, on arrive au bout de ce jeu. Ça y est. C'est une victoire pour moi. Depuis le temps que je voulais le terminer, et bien c'est fait. Ok, alors on la monte. Mal sur cette voiture-là, finalement, le roue noir va être très bien. C'est pas mal. Catalyseur. On va visser du boulon aujourd'hui, hein. Putain. La pompe. Ah, je l'avais pas démonté. Eh ben, il t'a cru que t'allais. Ah, que ça me plaît. Là. On va peut-être t'en mettre une nouvelle, ma grande. Et ça recommence. Ah, je veux pas, hein. Voilà. Il doit y avoir droit quand même. Il nous reste à la redescendre. Je me suis encore perdu dans le garage. La redescendre, mettre les cardans, mettre les roues. Et c'est bouclé. On ira jeter un petit coup d'œil au mode libre. Vite fait, bien fait, juste après. Et puis je vous quitte juste après ça. Voilà, c'est remonté. Je vérifie. On est pas mal, je vends le tout pour 11 000 balles. Allez, boum.
Un petit coup d'ici. C'est la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière. Est-ce qu'on a la piste à faire après? Hop, approprié. Non, on va le faire dans l'autre sens. Voilà, on sauvegarde, on lance le test. Boum. chevaux, on peut pas faire plus. Allez, dernier test piste et on voit si le jeu explose. On va peut-être nous mettre des feux d'artifice, j'en sais rien moi. Bon, je suis même pas sûr, même pas sûr que t'aies un petit message comme quoi te dire merci d'avoir joué. Je suis même pas sûr qu'il y ait ça. Hop, je vais pas regarder le temps, mais je crois que c'est 11. Ressemble à ça en tout cas. 10,99, ça doit être 11,20, je pense. Voilà, c'est fait. C'était le dernier véhicule. Eh ben, je suis pas mécontent, honnêtement. Allez, on le rend. 11 pile poil, eh ben, à la centième près en fait. Hein. Bon, ça doit être fait exprès, je pense, pour qu'elle soit compliquée, j'imagine. Allez, on tamponne ça, on voit ce qui se passe. Y a-t-il de nouvelles choses à réaliser ou pas? Non, le jeu voilà, nous reconduit à un menu principal. Il te dit clairement merci, et je te ramène là. Il recommence. Non, 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 on va pas le recommencer. Le jeu donc est bouclé dans son intégralité, puisque on aura fait donc le jeu principal plus ces deux DLC qu'il compose, donc à savoir le 4x4 add-on, plus le 1 karma ils add-on. Donc ça c'est une bonne chose, tout est au complet ici. On va juste faire un petit mode libre, histoire de regarder ce que ça propose. Parce que moi j'ai jamais mis les pieds dedans, toute honnêteté, puisque je n'ai jamais fini le jeu. Je vais voir comment que c'est foutu. D'accord, mode libre. Et on nous demande encore des trucs. Ouais, voilà. Je sais même pas du tout. Du coup, comment que ça se passe? Alors on est dans ce garage là. Donc on retrouve l'ancien garage avec les dalles noires, ouais. Je vais regarder ici. On n'a même pas les pièces tuning. Juste les pièces détachées. Ouais. En fait, je pense que c'est pour te faire continuer à jouer si t'en as envie, en fait. Mais je vais pas. Je ne le fais pas, honnêtement. Non. Y a rien d'intéressant. Je pensais des fois qu'on avait un accès aux voitures. Je pensais que c'était ça. Et puis que justement, tu pouvais, toi, genre, les bidouiller à ta sauce. On sait que ça allait être un truc un petit peu dans ce système-là, mais non, oui, même pas du tout. En fait, on dirait un peu un genre de mode histoire, mais ça se trouve qu'il n'y a pas de fin. Je pense que c'est ça l'idée, à mon avis. C'était pour, je pense qu'ils ont mis ça en place pour te faire patienter jusqu'au prochain, j'imagine. Ma foi, on va se quitter là-dessus, les amis. Je vais même vous quitter sur le menu principal. Donc, sauvegarder, revenir au menu. Et puis, bah, je vais vous faire vos petits adieux, bye bye pour ce jeu, donc Car Mechanic Simulator, la complète édition 2014. Donc je remercie tous ceux et celles qui auront pris part à cette aventure donc durant les lives que j'ai réalisé dessus. J'espère que ça vous aura satisfait de les suivre en ma compagnie. Les vidéos donc bien sûr seront ressorties sur la chaîne continuellement, hein, donc il y aura 11 VOD vidéos sur ma chaîne, donc que vous pourrez retrouver dans l'aventure Car Mechanic Simulator. Pour le moment, il n'y aura donc que le 2014. Comme j'expliquais durant ce live, le 2015 prendra suite de ce jeu-là dans quelques mois. Hein. Je ne sais pas encore exactement à quelle date ça va commencer. Mais on revient sur un système vidéo. Donc il n'y aura pas de live sur 2015. N'en attendez pas. Puisque voilà, je veux repartir sur un système vidéo. Il faut savoir que pour moi, ça change strictement rien de faire un live ou de faire des vidéos. Puisqu'il y a peu de monde qui vient sur mes lives. Donc du coup, je préfère repartir sur un système vidéo. On verra dans la suite des événements sur la chaîne, au niveau du nombre d'abonnés, etc. S'il y a plus de monde, et que vous demandez éventuellement de refaire des lives, pourquoi pas. Mais je sais que le live, de toute façon, c'est quelque chose qui, petit à petit, de toute façon, je vais perdre. Je garde juste l'aventure des Sims en live, de toute façon, pour le moment. Puisque je trouve que ça fonctionne bien de cette manière.
Mais voilà, de toute façon les lives, je suis obligé de les refaire en vidéo derrière parce que voilà, sinon il y a peu de vues dessus, les gens ne vont pas forcément les regarder dans l'onglet en direct. Donc c'est pour ça que je les arrête entre guillemets, voilà. Mais voilà, peut-être que ça reviendra un jour, j'en sais rien. Et puis bah donc je remercie également quand même tous ceux et celles qui regarderont ces vidéos de Car Mécanique 2014. Ça m'a fait quand même plaisir de faire le jeu, même si voilà, on a pu voir tout au long de ces épisodes qu'il est archaïque, hein, faut dire ce qu'il en est, il est archaïque. On sait qu'on a mieux de toute façon par la suite, hein, notamment avec l'arrivée des prochains opus. Donc on a la pub ici en bas justement pour le 2015. Ce Car Mécanique 2015, je l'ai testé un petit peu de mon côté. Et c'est vrai qu'il est quand même nettement plus agréable que celui-ci, hein, beaucoup plus complet, mais il manque encore des choses qu'on sait qui arriveront par la suite, notamment donc dans le 2018 et dans le 2021 par la suite. J'ai pas trop pour le moment d'informations à vous donner sur la suite des événements, pour ceux peut-être qui voudraient voir plus dans le temps, puisque je suis le premier aussi à suivre cette actualité-là sur Car Mécanique. Pour la suite, notamment du 2021 à l'heure actuelle, en 2023, hein, à l'heure où je tourne ces vidéos, on sait pas trop, hein, encore à quelle sauce on va être mangé. On a des DLC qui sortent encore sur le 2021. Le jeu est pour moi encore loin d'être bouclé. C'est bien d'ailleurs pour ça que je vous propose pas de vidéos sur le 2021, parce que bah, les DLC ressortent un petit peu les uns après les autres, et puis je préfère avoir des jeux complets, comme j'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, avant de finalement pouvoir jouer dessus, parce que je trouve que ça me satisfait plus, moi. Et puis bah, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de monde qui propose de toute façon les jeux actuels. Voilà, pourquoi faire comme eux, j'ai envie de dire, alors que je peux tout simplement faire un peu de rétro aussi, ce qui n'est pas trop mal. Et ça, voilà, il faut essayer de le comprendre. Moi, je préfère faire comme ça, donc voilà, voilou. Je vous dis au revoir les gens, et puis une fois de plus, merci à tous de me suivre. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, comme diraient certains, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre un petit peu plus de mes aventures, à être au courant un petit peu de ce qui sort sur la chaîne dans les prochains temps. Et puis ben moi je vous retrouve très vite pour la suite des vidéos. Bye bye les gens. Salut tout le monde.